On a démarré avec un journal pour une fois qu'on est. C'était 70e anniversaire, vendredi 17 août, passé à El Rancho, Pétionville. Cérémonie ça qui était commencé à 10h, n'a souhait tombé dans le cadre d'une tournée de formation musicale ça, a fait depuis 27 juillet pour arriver 31 décembre, qu'a venu là. Pour ma soirée ça, le courage, équipe nationale féminin U21, et puis partager podium avec formation musicale classe. N'a pas vu tout suivi en reportage, Gabi Victor avec Jean Fleury. Soirée ça, c'est un moment pour fanatiques danser jazz là et puis découvrir talent musicien nouvelle génération. Pour animer ces circonstances là, l'orchestre a chanté une morceau de musique qui vient sur nouveau album Nian, Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Pour qu'un bel longévité patrimoine culturel ça, maestro Kesmi Doreus se fait connaître, 7 ans toujours été avec même Sikti, fondateur qui a quitté pour yo. 70 ans ça, c'est un sentiment de fierté. Avant tout, parce que et nous représentons valablement tout haïtien, parce que 70 ans, on a la fête de 70 ans, je suis assez fier que tout haïtien. Donc, tant comme je dis, c'est un sentiment de fierté et nous prouver que nous sommes loyaux. Et nous prouver que dans le pays, nous avons fait des choses qui durent. La structure, c'est comme ça, c'est un liquide qui prend forme de vase. Donc, automatiquement, pour venir juste prendre forme vase là, nous avons joué une masse une pierre qui était pour nous. Structure musicale et administrative, donc nous avons fait même discipline. Donc, c'est ça que fait. C'est tout le temps, je dis, nous avons 70 ans. Et nous avons des messieurs qui ont joué là-haut. Ou est très jeune, donc déjà, ouais, centenaire, 70 ans, il y a assuré. Une soirée qui d'après elle continue avec la formation musicale classe qui considérait être comme un petit acceptant, d'après Maestro Vici, fêter acceptant c'est un privilège, en même temps c'est un rêve pour classe. Nous-mêmes nous la donne, c'est un privilège, c'est son honneur, et dans le vrai sens du mot, parce que quand il faut utiliser ça, mais là vraiment c'est honneur. Vraiment. À côté de volonté qui gagne, certes, mais nous avons simplement rêvé ça parce que à l'époque 70 a commencé, pas de gain mouvement réseaux sociaux qui gagne aujourd'hui. Et c'est un bagage qui est vraiment fragile et dangereux pour l'existence groupe. Vous comprenez? Ça veut dire que les tendances dans le 70 à fonctionner, c'est plus la même tendance. Ou les mêmes tendances s'ouvrent, les mêmes dire. Ça veut dire que les sont miraculés. C'est bon bagage que n'importe qui a le vœu faire. Ça veut dire que nous voulons, nous révèle, même pas qu'il n'y a aucun garantie que nous avons. Septentrional, c'est un orchestre, un monument, un patrimoine, pourquoi pas, un centenaire. Formation musicale Mas Compas célébré samedi 18 août passé à 15 l'année existence li nan El Rancho dans Pétionville. Pour marquer date là, équipe Mas Compas a choisi groupe musical Zinglin pour fêter avec you. C'était occasion pour plusieurs centaines de fanatiques avec diverses personnalités fait déplacement, notamment premier ministre nommé à noté Jean-Henri Séan. À principe, c'est 3 albums studio à côté plusieurs autres albums live, Mas Compas déjà réalisé pendant 15 l'année. Ça y est, on va vite suivre un reportage avec Vladimir Datoir. 2003-2018, ça fait déjà 15 l'année depuis le groupe musical Mas Compas existe. Pour marquer date là, le concert est organisé dans l'hôtel El Rancho où des formations musicales Zinglin t'es invité. J'en ça a été annoncé, une soirée est supposée commencer à 10h, t'as pas le temps, 2 heures de temps après pour Mas Compas principal. Vous conseillez à démarrer le spectacle là.
Zeglin, une formation musicale haïtienne qui travaille pour avancement compas direct là, crée en pile sensation bon côté fanatique Lio. Pendant soirée, dans le moment, ancien chanteur Li, Gracia Delva, avec ancien keyboardiste Li, Nickenson Prudhomme, monté ses noms pour interpréter 5 continents, une morceau musique Zeglin qui te gagne en pile succès. Qui vivait pour la guerre de Tchaï, dans sa plaie de toi, et sa tête se sent, les rois n'ont pas de soin, ils ont blessé par confiance. Nous trouvons une idée, pendant ta petite, nous partons combien, tu peux pas vous qui gagner. Si pas un souverain, nous passons à côté. Brutus Derisset, maestro groupe Zeglin, pas caché contentement li pour célébration ça. D'après lui, qui c'est une belle manifestation qu'il tire. Il est content de constater tout, présence plusieurs musiciens qui te connaissent évolué à lui, tant que Nickenson Prudhomme et Gracia Delva. Nous avons fêté nos entrées en été, nous venons dans la saison estivale et pour nous fêter avec notre compagnon, le produit de Zeglin, Gracia Delva. Donc c'est vraiment important, ça fait un plaisir que vous reconnaissez. J'étais dans l'école, à l'université. Je suis aussi même là, je ne sais pas où, mais je connais Zeglin sur base là. Donc ça a un plaisir que Gracia, je connais ça, je connais ça, nous sommes tous les deux dans l'université. Donc belle manifestation pour la musique haïtienne. Si vous avez un peu l'observateur, l'équipe Mascompa a réalisé une belle fête pour 15 années. En plus, l'autre fait connaître tout, l'équipe Mascompa a manqué produit. Seulement 3 albums pour 15 années d'existence. Merci à collaborateur nous Vladimir D'Artoise. Mes téléspectateurs, moment arrivé pour nous observer deuxième pause. Nous restez branchés. Nous tenons à plus d'informations. Nous continuons avec l'information. Yo, sorti 16 juillet pour arriver 17 août. Collège Robespierre accueille 4e édition camp d'été Fondation Timoun Haïti demain. Plus passé 200 Timoun sorti dans 4 l'année pour arriver 18 l'année. T'y participer. Camp d'été Silat fait dans l'idée pour aider Timoun. Yo découvrir talent yo gen la kayo. Nan me vite suivre yon extrait nan Miko Sabena Desbroche ak Junior Avril. Créer épanouissement ak divertissement, c'est souci kek citoyen genyen pendant époque vacances lan. Activité sa yo ki réalisé chaque année parmi yo kan d'été nan l'idée pour aider timoun jeune découvrir talent yo gen la kayo. Kan d'été Fondation Timoun Haïti demain ba yo plusieurs coups takou macramé, artisanat musique ak danse, yon façon pour aider timoun yo d'après Doris Mondims vive ak sa yo produit. Nous offrons plusieurs disciplines. Par exemple, nous gagnons macramé, nous gagnons artisanat, tant qu'on va regarder dans Doum là, c'est exposition. Eve Timoun réalisé pendant environ mois ça, c'est des Timoun qui viennent là qui pas gagner aucune connaissance dans le domaine ça. Nous offrons tout musique, nous offrons danse, nous faisons théâtre avec eux, et nous offrons natation, et nous faisons pratiquer et en pile l'autre activité qui permet que nous ayons gagné des talents et formateurs nous. Dans le cadre suivi que la Fondation a fait, parce que nous avons gagné en logique, ce n'est pas seulement détecter talent si nous et les seuls. Donc automatiquement, nous découvrons si nous avons un talent, la Fondation a encadré lui à travers l'autre structure que nous avons gagné chaque week-end que nous recevons les formateurs qui travaillent avec Timoun Sayo. Et au fur et à mesure, nous améliorons actuellement, nous avons des Timoun qui commencent à jouer musique. Pascal Joseph, responsable artistique candidat Fondation Timoun Haïti demain, pas caché complètement pour le Dijon, satisfait découvrir un pile talent Timoun yo gagné. Il souhaitait Timoun Sayo jouer un bon jeu encadrement, de façon pour être utile en pays. C'est presque avec le même sentiment, on a clôturé l'activité et un pile contentement parce que c'est sûr que tout le monde qui l'a eu pas satisfait, même Jean, moi-même personnellement, me satisfait de Timoun qui travaille avec moi et que je très souhaité que le public là, lui-même qui fait déplacement, je pral vraiment content, ouais, on équipe Timoun qui a gagné la caillou, qui pas vraiment qu'on rien dans la question A, qui pas qu'on a dans théâtre, dans musique, dans danse, etc. Donc, on va découvrir aujourd'hui qui talent et qui quantité bagay Timoun yo gen tan apprendre pendant moins que un mois. En encadre Timoun yo nan bagay qui ka représenter pays pour tout bon. Et puis parents yo pa kite Timoun yo la kay nou parce que l'école là li vraiment important mais
chaque timon a accompagné l'école là avec une activité artistique, parce que ça les plus encore important. Si candidat était une parmi activités qui est important pour créer ambiance avec timon et apprendre pile bagaille pendant époque vacances là, différents secteurs qui contribué dans faciliter épanouissement jeune, ta doit plus engager avec série initiative ça yo cap aider catégorie ça yo joindre l'autre encadrement social. Ancien secrétaire général Organisation Nations Unies Kofi Annan mouri samedi 18 août 2018 là dans l'hôpital Berne dans le pays la Suisse. Kofi Annan fête dans mois avril 1938 dans le pays Ghana, il était premier dirigeant qui sorti dans Sud Sahara continent africain qui était occupé un poste important dans l'ONU. Il était occupé poste secrétaire général dans l'ONU en sorti 1997 jusqu'à 2006. C'est dans le cadre de ça qu'il a reçu le prix Nobel de la paix dans l'année 2011 pour le travail qu'il a fait pour le monde puis organisé puis objectif. Amis téléspectateurs, moment arrivé pour nous dire bye bye. Ça veut dire c'est là nos bouts avec journal là. Mais avant nous aller, quittez nous rappeler au principal point nous avons développé pour vous. Orchestre septentrional fête 70e anniversaire vendredi 17 août là dans El Rancho Pétionville. Cérémonie anniversaire ça tombé dans cadre yon tournée nationale formation musicale ça fait qui commençait depuis 26 juillet kabout 31 décembre 2018 là. Dans la salle Luman à Casimir, dans le ciné Triomphe, plusieurs dizaines de monde ont assisté à la première présentation film Machin Figla dans Port-au-Prince dimanche 19 août. Là. Film ça, qui est réalisation Artist Institute dans tête collée avec APG, Artist for Peace and Justice. C'est point ça, avec un pile d'autres encore qui était fait essentiel jeudi à la première parée du journal La Fenêtre Culturelle pour semaine. Là. Merci à vous-même qui avez prêté nos attention. Merci à l'équipe culturelle, l'équipe production qui te permet édition ça rentrer la caillou et merci à Bila Boutique qui toujours habillé à chaque sortie édition fenêtre culturelle au capacité à le faire commande dans Bila Boutique qui est à Colina Aris restaurant Pétionville au bon capable les sous 42 64 03 03. Bye bye tout le monde, bonne semaine sur Télévision Nationale d'Haïti.